Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Dead Rising 4. Nous en sommes à l'épisode 13, j'espère que vous suivez toujours jusqu'ici. Affaire numéro 6, à deux doigts du but. Mais il ne suffit pas d'être à deux doigts du but pour marquer, il faut mettre la balle au fond des filets. On restera bien évidemment sur cette expression sortie par ma grand-mère en 1730, voilà. On devait récupérer notre appareil photo, j'espère que jusqu'ici vous suivez. Et donc bah, c'était Vic, Vic ça pour une, elle était là, elle avait un rhume, boum, elle prend un médoc, un Vix, et elle part avec mon appareil photo, j'ai pas compris, je sais pas ce qui se passe. Donc on va normalement lui courir après, récupérer votre appareil photo. Et Franck qui me dit forcément, bah cours, cours jeune homme. Récupérez-le alors. Merci pour le conseil, Brad. Merci, Brad. Bon, on est parti, direction je sais pas où. C'est pas encore terminé, la bleue. On est de retour à Willamette. Vic, Vic, reviens, c'est mon appareil photo. Tu fais des mouvements très robotiques. Ah d'accord, t'envoies des grenades. D'accord, super. En plus, c'est des flashbangs. Waouh. Je pensais que j'avais une amie. Je pensais que j'avais une amie dans le milieu. Ça, c'est chiant. Tu vas m'envoyer combien de... Ah, putain. Ah ouais, mais là... Là, en fait, tu peux me la coller de ouf, là, comme ça, là. Il y a Violet. Il y a Force Violet, juste à droite. Ok, bah écoute, Violet, je suis désolé, ma soeur, mais là, je n'ai pas le temps. Je repasserai. Je repasserai, surtout... Ah oui, ça, c'est chiant. Ça, c'est bien joué à vous. Ah, ah d'accord, donc Vic peut... D'accord, ça, c'est cool. Donc... Je peux largement, bien évidemment, changer d'escalator. Moi, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Échec de la mission. Évitez les zombies. Mais vous êtes au courant, les mecs? Évitez les zombies et les grenades aveuglantes pour attraper vite. Vous êtes quand même au courant, les gars, que j'ai essayé. J'ai essayé de passer dans l'autre escalator, mais que vous m'avez empêché, hein, parce que Franck voulait à tout prix faire des galipettes. Ouais, c'est son petit côté un peu joyeux, voilà. C'est son petit côté un peu gamin. Là, c'est chiant, les gars. Là, c'est chiant. Donc, c'est parti. On va la refaire. Allez, les gars, on va la retenter. C'est pas grave. Moi, je me laisse pas, démonter par un truc comme ça. Faut éviter aussi les grenades flash. J'ai pas compris comment. Ah, c'est pas par ici. J'ai pas encore compris comment, je vous avouerai. Ah, bah attendez, on doit changer de tenue. Hop, c'est parti. Non, nickel. C'est pour mettre ça à un zombie. C'est vrai que les places de chantier sont un zombie. C'est beaucoup plus stylé. Allez. Encore terminé, la bleue. La ferme, Franck. On est parti. Ah, cette fois-ci, elle a pas fait un tour sur elle-même. C'est plutôt cool. Nickel, putain mais merde, elle était derrière moi. Et vous savez quoi, j'en ai rien à foutre, on va quand même passer par là. Ah ouais, ça c'est chiant. Mais elle va me la coller la distance, hein. Elle va me la coller hein. Donc vaut mieux rester alors. Bah alors miskin, sale pute. Quoi? Je l'ai rattrapé. Ça c'était pas prévu dans le scénar à mon avis. Je connais bien. Hop, on va passer par ici. Dégage, dégagez. Vomère, mais vomère les zombies. Allez putain. Oh là là, et là j'ai... J'étais quand même à deux doigts de m'énerver, les mecs. Vous avez pas la manette en main, ça se voit. Mais moi, je l'ai, les gars. J'étais à deux doigts de m'énerver. Donne-moi ce putain d'appareil. Tu vas faire quoi, ma soeur? Dis-moi juste ce que tu vas faire. M'envoyer un tabouret? C'est ça? C'est ça ta technique ultime? Ha ha, beaucoup trop derrière moi. Là, c'est chiant, par contre, les gars. Les zombies. Alors, dans les anciens Dead Rising, on pouvait leur monter dessus. On pouvait faire pas mal de petites choses sympas. Là, on ne peut plus. Hein, c'est un plaisir. Elle est partie. Elle est partie. On va. Vic! Oh, y'a Calder. Merde! Vic! Tu as un gros problème! Je veux dire, un autre gros problème! Oh, vraiment? Ok. C'est chiant, hein, ces grenades flash là. Mais par où elle va? Oh, mais elle prend des circuits bilatérales! Ah la vache, les zombies courent beaucoup plus vite quand c'est vite. Elle prend des circuits très chelous quand même. Oh, mais non, mais gros l'arbre, déconne pas! Oh non, mais c'est injuste! Je suis sûr qu'il a été positionné volontairement. Très bien. Volontairement ici pour me la mettre à l'envers. Je ne sais pas par où elle est passée. C'était excellent. Ah, vite, je t'aide. J'aurais bien besoin d'un coup de main là. Vic traverse Caribbean Cove. Une petite minute. Dégagez. Non mais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour se débarrasser d'un zombie, c'était. Quoi? Jure, elle est de l'autre côté là. Montez à l'étage. Vous pourrez l'intercepter à Kishiro Plaza. Kishiro Plaza, ses preuves sont à moi. Oh merde. Vic, Calder est pas là pour déconner. Ok, elle est là, White McCoy Protection, non elle est pas là, je sais plus ce qu'il m'avait dit, mais ici il y a quelque chose, non? Voilà, ici il y a quelque chose, et ce quelque chose est là. Yo Raymond. Bah écoutez, les gars, si je peux aider quelqu'un au passage, c'est au Plaza, je crois, si j'ai bien suivi. Mais alors, vous savez que je vais me faire enculer. Oh, il y a des petits trucs ici.
Il y a des petits trucs ici, c'est sympa ça. Il y a de la vitamine. Hop. On va prendre une petite dose de vitamine. Ah, c'est dommage parce que je viens de m'en souvenir, dans Dead Rising 2, on pouvait pas le faire dans le 3, me semble-t-il. On pouvait se faire des cocktails, c'était totalement dingue. Et là, on peut plus faire de cocktails. Vous savez, on faisait des mélanges, on savait pas trop ce que ça nous apportait. C'était... Là, il y a un plan, hein, quand même. J'espère que tu sais ce que tu fous, Vic. On va pas faire l'effet néant. On va pas faire l'effet néant parce que c'est peut-être un plan... Ah, d'accord, les trucs, ils apparaissent. Ok, il y a des planches de surf, il y a forcément de nouvelles fringues. Donc, vu que j'ai dit qu'on allait changer de fringues, on va de ce pas chercher des... Oh, petites lunettes sportives, quand même, parce que ça va avec la stache mou, les gars. On est dans la beaufrie où on l'est pas. Un évitement, je ne sais pas c'est quoi. Nouveau manuel d'entraînement, évasion. Ah mais attendez, c'est la première fois... C'est la première fois que je vois des putains de manuels d'entraînement, les mecs. Ça, ça existait déjà dans le 2 et le 3, mais... Je ne savais pas que ça existait dans le 4. Très bien. Je viens de découvrir qu'il y a des manuels d'entraînement. Ça, c'est bon, ça. Par où on change? Par où on change? Peut-être par là, non? J'aimerais bien trouver des... On peut pas. Magasin de snow, cousin, on peut pas changer, ça pue la merde. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, je ne suis pas déçu. Donc, je vais pouvoir passer normalement. C'est par ici qu'elle est, Vic. Voilà, on la voit à 88 mètres. On va y aller calmement. Bah, on y est au Plaza, voilà. Le Kishiro Plaza, c'est comme ça que ça s'appelle, non? Oui, Kishiro Plaza, je connais bien. Souviens-moi. Je pas tu te caches derrière ton prisme. Tu prends tout ce que tu vois, à droite, à gauche. Tu te l'accapares. Tu gardes tout pour toi. Bon, ok. Tu forces un peu le trait, mais je pourrais m'améliorer, ouais. Demain matin, rends-moi l'appareil. Et demain, je suis un autre homme, promis. Tu fais partie de la chèvre, Quest. Et je dois... briser la chaîne. Non, non, je sais pas. Il me fait. Putain, je te vais. Bah, tu sais quoi? T'as blessé mon rêve. Voler mon histoire. Et en plus, t'as détruit mon appareil préféré. Très bien. Frank West contre le Seigneur Zombie. En piste, la folle. Oula. Ça va, Rick? Ok, Rick, cette fois-ci, il a une barre de vie. Hop, je te le colle, t'en fais ce que tu veux, tu pars avec. Ça, c'est chiant, si tu te protèges tout le temps. Hop, voilà. Alors, là, par contre, ça va être con. Là, ça va être con. Je pense qu'il faut que j'arrive à trouver un exosquelette. Et c'est pas ça. Vic, t'es où? Dans la salle de contrôle. Est-ce que tout va bien pour vous en bas? Ça me touche beaucoup que tu t'inquiètes. Allez, on se bat. Je vous ai ouvert la porte. Quoi? Ah. Arrêtez de me chambrer. Ok, exosquelette contre exosquelette, c'est quand même beaucoup mieux. Ensuite, on va prendre quoi? On va... Waouh! Excuse-moi, Calder, frérot. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'embrouille? Pas d'embrouille, man, pas de litige. Ok, on va peut-être récupérer. D'accord. Donc ça a changé ton jeu. Allez, ça dégage, gros. Je te mets des patates. Ah oui, d'accord. Par contre, toi, tes patates font beaucoup plus mal que moi. Pourquoi pas? Je m'en bats les couilles. Combat de boxe? Tu veux la jouer boxe? Hop, voilà, petite esquive. Allez, ferme ta gueule. Voilà, ça, c'est de la boxe comme on les aime. Bon, voilà, on va se calmer maintenant. C'était bien, c'était sympa. Attention, Calder, fais pas le con, putain. Ok, on va prendre. On peut prendre ça? Non, on peut pas prendre ça. Qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre ça. Je peux prendre ça. Et vous savez ce que ça veut dire? Ah oui, bah oui, bah toi, t'es toujours plus loin. Ok. Quoi? Quoi? Mais c'est quoi cette arnaque? Envoie ce putain d'objet. Mais c'est nul! Mais c'est terriblement nul! Eh, ça va. C'est quoi, les gars? On va la jouer réglo. Boum! Voilà, petit coup de coude. Hein, on se la joue. On se la joue à l'ancienne, par contre là. Ah ouais, là c'est chiant, on peut pas travailler une esquive en fait. Une esquive, pardon, quand on est dans le mouvement, le geste, la beauté du geste. Ok, bon écoutez, je vois que cet homme
et pas vraiment joueur. Donc on va... C'est pas cette... Parce que c'est sympa, hein. Ah, ça c'est chiant. Ok, on va réessayer. On va réessayer avec ce panneau. Ouais, vous savez que j'y tiens. Tiens! C'est ça, tire-toi, gros! Quoi? Merde, il faut boire. Ah oui, mais j'ai pas ce pouvoir. Attends, t'es en train de lâcher une petite bâtard? Franck, tout va bien? Il se régénère? Quoi? Il peut se régénérer? Il peut drainer le courant pour se recharger. J'ai déjà vu faire ça. Bordel! C'est de la triche! Et je peux pas l'atteindre! Je me fais arnaquer jusqu'au bout! Je me fais enculer! Repousser les zombies de Calder. D'accord, un vrai plaisir, les mecs. Tiens, prends ça dans ta gueule. Voilà, ça t'a refait la coupe. Ça t'a pas touché, hein, c'est un plaisir. Alors, ça, c'est chiant quand même, les gars. Ça, c'est chiant. Je sais pas trop comment on va s'y faire. Ah, un petit thé! Laisse-moi, c'est un thé, putain. Allez, dégage. Tu m'as saoulé, t'es là, tu me racontes ta vie. Ah, toi aussi! Allez, toi, tu rejoins ton pote. Bon, bah écoutez, j'aimerais bien des armes, s'il vous plaît. Ça serait pas mal, parce que se battre à main nue jusqu'ici, c'est un plaisir. Calder récupère toute sa vie, hein, bien évidemment. Et moi, je suis ici comme un connard. Ferme-la. Voilà, je veux que lui, hein. Le E, c'est de la petite chair à canon, comme on les appelle dans le milieu, de la chair à canon. Allez, dégage. Voilà, frérot, ça c'est bon. Ah oui, d'accord. Mais les gars, c'est-à-dire qu'il faut savoir au bout d'un moment. Les zombies, eux, ils peuvent tranquille. Dégage, moi je te mets des patates en quoi, j'ai rien à foutre. D'accord, ok, toi aussi tu peux. Toi aussi je vois que t'en as rien à foutre. Mais dégagez les petits zombies. Ah, les mecs. Ah non, mais travaillez l'esquive. Il va être très dur, il va être très très dur ce boss. Attention. Mais moi je ne peux pas me protéger, les mecs. Lui, il a acquis des compétences de boxe au cours de ses 40 dernières années que je n'ai pas. C'est chiant. J'aimerais bien une touche pour esquive, quelque chose. J'ai l'impression qu'on est dans Punch-Out sur Nintendo, cousin. On a deux boutons et on va se faire enculer, putain. Ok. Comment on va faire? Comme ça, peut-être? Hop, voilà, on le prend. Lui, on le déchire en deux. C'est pour servir d'exemple. C'est pour servir d'exemple à ses potes. Ah, mais là, fais gaffe. Ah, d'accord. Ouais, bon, c'est vrai que j'étais... c'est mon petit côté un peu cascadeur. Ouais, c'est super cool. Vous pouvez pas mourir des rideaux, non? Non, je peux pas. Je peux pas avoir des armes supplémentaires. Allez, dégage. Je mets des patates, gros, tu vas rien sentir. Ok. Ok, j'ai toujours pas d'armes, c'est un plaisir. D'accord, mais tu peux faire des trucs que je ne peux pas faire, Calder. Sois réglo, s'il te plaît. Soit on se met des patates, soit on se fait enculer, ok? Bon, jusqu'ici, t'as choisi de m'enculer. J'ai bien compris. Enfin, le coup des patates. Allez, dégage. Mais là, c'est terrible. Il a un coup. Il a un coup spécial tous les jours. Tous les jours, voilà, il est là, il se lève le matin, il a des coups spéciaux. Ah, belle hypercute. Je vois, Calder, que... Attention, les combats à la loyale, tu connais pas trop. Ah, ça, j'ai essayé d'esquive, j'ai pas pu. Ah, il y a un zombie qui a voulu me glisser une petite patate quand même en spread. Voilà. Dégage. Oh, mais frérot, j'ai pas le choix. On est obligé de se courir comme ça. C'est sans doute le combat le plus nul de l'histoire. Mais on n'a pas le choix. Ok, frérot? On se la joue à l'ancienne, là. Hein. Là, il y a un ring. Des patates à gauche, à droite. Voilà. Parce que... Ah, Franck, attention. Ouais, bah, j'essaie d'esquive. Ça c'est pas mal, ça c'est bien joué de ta part. Le célèbre coup sauté, hein. Il a pris ça des plus grands. Il a pris ça des plus grands. Très bien, donc tu vas te régénérer. Moi je vais me faire enculer, c'est un plaisir. Ok. Bon, évidemment je ne pourrais point l'atteindre parce qu'il est beaucoup trop. Ils ont tout prévu dans le jeu. C'est le bon moment pour mettre en œuvre ton plan. Je suis presque prête. En attendant, tue des zombies. Wow, Big Chew, la reine des stratèges. Attends, toi tu dégages. Ah, très bien. D'accord. Donc toi, tu peux me sauter dessus. Tout va bien, saloperie. Ok. Il me faut de la bouffe. Réellement, il me faut des heals parce que je vais pas tenir un deuxième round. Ah! Oh la vache, trop bien! Je peux me battre avec des cadeaux dans la main? C'est incroyable! Ok, encore des soins. Ah, par contre, c'est beaucoup plus long. Non? Bon, en fait, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. C'est des cadeaux. Un peu pourri, hein, on peut le dire. C'est pas des Xbox One dedans. Parce que crois-moi qu'un coup des Xbox One, gros, t'es dans le coma pendant 6 jours. T'es dans le coma et tu bois fou. Mais c'est de la merde, en fait. Genre, vraiment de la merde. Hop, vas-y, on va essayer. On continue, hein, on persévère avec les cadeaux. Il est descendu, là, le Calder, là, le Calder. Allez, hop, merci, voilà. Allez, dégage. Tu m'as saoulé, t'es là, tu me racontes ta vie. Le bar à jus est fermé. Ok. Ok, ils vont sans doute ouvrir autre chose, oui. Non? Ah, il y a plus de monde. Quoi?
Mais t'as atterri à 4 km 5. Ah putain, dégagé. Mais... Ah ouais, mais oh putain. Et j'ai ouvert d'autres boutiques, bah ouais, mais. Ah si, ça m'a pris. Attendez, je crois que j'ai plus de combos. J'ai plus de combos, on va se régaler. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Les gars, situation d'urgence. On va à l'autre boutique. On va se régaler. Je sais pas ce qu'on va faire. J'en ai aucune idée. J'ai plus de cadeaux de toute façon. Oh oui. Bonus électrique. Allez, mon pote. Allez, mon pote. Je sais pas ce que ça fait. Ah, là, j'ai des patates de l'extérieur. Mais ça va le reste, non? Allez, dégagez. Ah ouais, mais t'es balèze, toi. T'es balèze. J'hésite à prendre le petit sabre. Ah ouais, non, ça, c'est pas utile. C'est pas utile. Je prends ma vie. Allez, ok. Je vois que tu veux vraiment te la jouer mano à mano. Oh, c'est beau. Ça t'a pas fait mal. Ça t'a pas fait mal, mais ça reste beau. On est dans la beauté du game. Ok, maintenant on se réveille. On prend un petit heal et on est reparti. On fout des patates. Personne ne sera prêt. Allez, 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 allez. Il est chiant, hein. Il attaque beaucoup plus que. Moi je peux attaquer. Et le petit problème de caméra, hein, quand on est en magasin, la boutique intérieure, je connais bien. La dernière fois que je suis allé à H&M, la caméra est plus. Tout était perdu. Allez, voilà. Ah oui, on fait quand même plus mal. J'ai l'impression qu'on fait plus mal, mais je suis pas sûr. Ça sent aussi l'arnaque. Ok. Il est où la Calder? Il est où le frérot Calder? Oh, mais non, mais le lourd, mais gros, tu as. Hein, ouais, mais on est dans un centre commercial. Il y a que des panneaux, l'électrique, c'est chiant. C'est chiant, ma petite gueule. Et en plus, j'ai perdu mon combo. Mais oh, les mecs, mais sérieux, enculez-moi, quoi. Repousser les zombies. Bah ouais, mais je veux bien, mais là, c'est lourd. Vous êtes tellement lourds, les mecs. Allez, c'est bon. Allez. Voilà, tout ça, ça dégage. Ok, voilà ce qu'on va faire. Je vais rechercher... Oh, un exosquelette encore qui ne sert strictement à rien. Mais c'est un plaisir. Voilà, on va se soigner. Ah, vous l'avez vu, hein. Quoi? Mais sérieux? Mais gros, laisse-moi prendre ma boisson. Ma boisson de type aromatisé. Mon café aussi. Pour bien commencer la journée. Allez, ça dégage, voilà. Allez, ferme-la, toi. Oh putain, c'est pas évident. Les caméras, là, dans les boutiques, c'est pas très légal, hein. On est bon? On est bon? Non. Ah non, on n'est pas bon. On n'est pas bon. C'est vrai qu'il y a Jean-Michel Patate qui vient de nulle part, qui m'arrache. Voilà. Là, on est bon, là. Oh putain. Mais gros! Tu fais des sauts, mon pote! Calme-toi, par contre. Faut se calmer, monsieur. Faut se... Non, mais oui, mais toi! J'ai un exosquelette, cousin! Il est plus fort que Calder, le bordel! En plus, il a vraiment un nom de médicament, l'enculé! Allez, vas-y, dégage! Désolé, hein, si tu regardes la vidéo et que tu t'appelles Calder, je suis désolé. J'apprécie, j'adore ce prénom. Ça fonctionne! On dirait que c'était mon plan depuis le début! Ouais, c'est bien, t'as pas perdu. Mais gros! C'est quoi qui m'encule? Allez, dégage, je t'ai esquivé. Ah d'accord, donc je peux pas te taper, c'est ça pendant que t'es. D'accord, donc toi aussi t'as le droit à des animations où t'es invincible, c'est bien. C'est bien! Vas-y, viens là, frérot. Ok, le BA du journaliste, ferme-la, ma soeur. Ah, des patates à gauche à droite, j'en ai rien à foutre. Là, on termine là, mon pote. Prends-moi qu'on termine. Ah, c'est chiant. Ah, son célèbre coup sauté. Terrible dans le game. Il a fait ses aventures grâce à ça. Voilà, ça t'a pas touché. Ça t'a pas touché, c'est incroyable. On le tabasse. Voilà. Allez, faut mourir, monsieur Calder. Monsieur Calder, je vous apprécie, je vous aime bien. Vous êtes quelqu'un d'incroyablement gentil. J'ai utilisé 2 soins à l'instant au lieu d'un. Donc maintenant, faut mourir, monsieur. Voilà, faut mourir. Hop. Il est où, Calder? Non! Non! Il est lourd! C'est le boss le plus long du monde! C'est le boss, ça fait 20 minutes, on est sur le boss. Mais qu'est-ce que tu fais? Repousser les zombies. Ah ouais, mais putain. Ok. Bon, bah on est reparti, les potes. On arrache tout ça, voilà. Allez, ça dégage. Ok. Bon, maintenant eux là, c'est eux qu'il faut tuer. Il faut tous les tuer, attraper les tous. Mais tête de ma mère. Mais c'est quoi ce délire? Mais oh, il esquive tout. Cet homme est. Oh là 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 là.
mettez pouce bleu pour expérience sociale. Parce que là, j'ai vraiment envie de tout découper. Les gars, là, ça va pas. Faut mourir, messieurs, s'il vous plaît. Voilà, faut mourir, là, au bout d'un moment. Je veux bien garder mon calme. Mais enfin, j'ai quand même des limites à ne pas dépasser, n'est-ce pas? Niveau 51, ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Oh là là, mais... Putain, le bourre en soi. Mais gros, j'ai... Le mec... Les pires e-box du jeu, du monde, dans le jeu, dans le monde du jeu vidéo. Putain, c'est terrible. Mais meurs! Allez, oh la vache, tu m'as saoulé. J'étais obligé de mettre mon coup spécial. Ok, il reste toujours. Dégage! Mais gros! Mais il a des esquives incroyables, ce bonhomme. Voilà, putain, merde, c'est terrible, hein. Pour lui mettre une patate, lui, faut se réveiller tôt. J'aimerais bien des heals, par contre. Ok, alors là mon petit gars, c'est une histoire entre toi et moi maintenant. Normalement il n'a pas de quoi se régénérer. Ou alors ça serait le boss le plus long du monde. Venez à bout de Calvaire. Bah ouais, mais là je travaille aussi. Là je travaille. Eh, tu sais quoi toi, moi aussi j'ai des pouvoirs. Regarde mon pote, t'es prêt? Regarde-moi ça, le pouvoir de l'électricité. Alors, ça t'a rien fait, nickel, il s'en bat littéralement les couilles, t'es mort. La patate du destin, voilà, là on est bon. Là on est bon. Plus rien n'arrêtera l'homme. La chaîne subsiste. Brad, je suis au Kishiro Plaza, besoin d'assistance médicale. Allez ma petite, reste avec moi, reste avec moi. Calder! C'est bon, mais je l'ai eu. Mais on a tout perdu. L'appareil, les serveurs de Barnaby sont vides, et t'as réduit le disque dur en 1000 morceaux. Dis, tu comptais pas me tirer dessus? Rien de vital. Oh, dans la jambe? La jambe, par exemple. D'accord, je l'ai mérité. Mais si on doit en arriver là, tu vises la droite. Elle est déjà à moitié foutue. Franck. Je suis vraiment désolée pour tout ça. T'inquiète, va, j'ai connu pire. Ton tour viendra. C'est ce qu'on doit endurer quand on est un bon journaliste, non? Et si j'étais une excellente journaliste? C'est quoi? Une carte SD. De votre appareil. Tu l'as prise? Oui. Avant que ça pète? Mmh. Tenez. Et en échange? Nom d'un chien. Je suis sérieux. Tout ce que tu veux. Ok. Je veux l'histoire. Mes mots, vos photos.
Grosse couve, gros impact. Tous les deux. 50-50. Ok. 50-50. C'est un plan qui me plaît. Ah ! Et un mini-golf. Oh non, pas le mini-golf. Bon, ok. Mini-golf. Bon, maintenant que tout est réglé, il faut qu'on atteigne le point de rendez-vous si on veut se tirer d'ici. Pas besoin de me le dire deux fois. Prenez tout ce qu'il vous faut et prévenez-moi quand vous serez prêt à y aller. Ok. Je crois que c'est la fin du jeu, en fait. C'est bel et bien la fin du jeu, c'était le boss final. D'où le fait qu'on puisse plus retourner en ville après les événements, comme ils avaient dit. Il me semble que c'est mort. À voir. Ouais, regardez, tout on est fermé. On a fumé Calder. C'était cuit pour lui. D'accord. Donc on est bien à la fin du jeu, en fait. Aïe ! Vous m'avez même pas... Oh là, ils m'ont pas donné de quoi attendre jusque Resident Evil 7. Oh non, vous m'avez déçu. On ne peut pas terminer un jeu en 13 épisodes. Ça serait la première fois. Ça serait la première fois. Attendez, bougez pas. Bougez pas, frérot. Je vais ouvrir cette porte. Non, attendez, on peut ressortir, c'est pas fini. Oui, j'essaye de me rassurer. Alors, vous avez eu un cœur pour Noël, Franck ? Arrête ! Tout est réglé entre nous, maintenant ! N'est-ce pas ? Publions cet article. Sauvons le monde. Alors, ça sera le cas. Il faut foutre le camp de Willamette d'abord. Allons-y. Ok, Brad et Vic, suivez Brad. Bon, on va suivre le frérot Brad. C'est bizarre. Je sais pas si c'est la fin, alors j'ose pas terminer. Écoutez, je sais pas comment. J'ose pas continuer, parce que je me dis, si on continue et qu'on s'engage dans un truc qui va durer encore 30 minutes, on est pas prêt. Mais en même temps, si c'est pas la fin, enfin, si c'est la fin et que le prochain épisode dure 5 minutes, on est pas bien. Hein, et je me connais, vous savez que j'ai pas de chance là-dessus. Vas-y, Brad, frérot Brad, faut y aller. Donc on va voir un petit peu, et bah, si vraiment c'est la fin, on fait séparatoire de Resident Evil 4, le temps est justement notre petit Resident Evil 7, et puis voilà, on se fait plaisir. Donc faut suivre Brad, hein, vite qu'on s'en bat littéralement les couilles, mec, chacun ses problèmes. Par contre, faut savoir où est la sortie. En temps normal, je devrais vous arrêter pour le coup que vous avez fait. Faudrait d'abord m'attraper le poulet. Bordel. Ok, ouais mais attends, on va pas s'arrêter de tuer tous les zombies là, sinon elle est là. Ça dépend. Vous pensez que le gouvernement est pratiquement l'air nobile ? Bim ! Ils ont pas l'air très contents, dites-moi ! Merde ! Vous pensez qu'ils sont curates pour aller tuer leur papa ? L'hélicoptère doit nous récupérer sur le toit du parking. Les gars, juste vous prenez des chemins séparés. Ah super, c'est pratique. Voilà, Vic s'est rendu compte. Par contre, tu cours bizarrement, Vic. Ah, ce couloir, c'est par là où tout a commencé dans le game. Souvenez-vous, me semble-t-il. Tout le monde a pensé à prendre un souvenir. Le stress post-traumatique. Ou ça, à mon avis, si ça c'est comme Dead Rising 1, c'est une fausse fin. Dead Rising 1, l'hélico devait venir et finalement tout partait en couille. Si c'est comme Dead Rising 1, c'est une fausse fin. Si c'est comme Dead Rising 4, c'est la fin. Je sais pas trop. Je ne sais que penser. Les culs, voilà, deux, ça fait plaisir. Comme ça, ça régale. Je prends un peu d'avance, histoire que Brad nous ralentisse pas. Voilà, toi, tu dégages, tu m'as saoulé. Célèbre coup appris au rugby. Ah, temps de chargement ou à droite. Et en plus, je crois qu'on quitte... Une seconde, je m'occupe de cette porte. Non, on n'a pas une seconde. J'ai besoin de vodka et de whisky. Remontez vite. Oh putain. Oh là. C'est exactement comme Dead Rising 1 pour le moment. Sur le champ. Oh là. Oh merde. On a de la compagnie. Ok. Oh non. Fusil à pompe, ça me plaît ça. Quoi ? Ok, ça me plaît ça. Donnez-moi les points par contre. Ouais, ça dégage, voilà.
Ah mais c'est stylé. Par contre 6 minutes d'attente, là c'est long quand même. C'est super long. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop, on envoie. Voilà, on envoie. Ah pardon, c'est pas toi que je voulais viser à la base. Oh wow, pardon. Je maîtrise plus rien, on envoie. Hop, on envoie du poison, c'est égal. On renvoie des petits feux d'artifice, c'est un plaisir. Là on se régale en point. Là c'est du régalage illimité. Donc c'est plutôt cool. Je vois juste pas comment on va survivre sur la fin, mais enfin je comprends pas. D'accord. Mais les gars, y a moyen qu'on m'encule pas sur les feux d'artifice? Ok, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Et ben voilà, c'est ouvert. Les gars, la porte est ouverte. Je peux peut-être prendre des petites grenades, non? Attendez, c'est pas facile. Ah putain, pour prendre un truc. Bon, vous savez quoi, on abandonne. Ah oui, d'accord. D'accord. Alors, elle est chiante. Elle est chiante. Survivez avec Vic et Brad. Il nous reste 5 minutes. Quoi? Ils prennent des patates de l'espace? C'est quoi, vous avez pris en damage, les mecs? Et calmez-vous. Hop, c'est bon. Brad, je m'occupe de tout. On va où maintenant? Ah, c'est stylé ce mode de jeu. Ce mode de jeu en multi, genre invasion zombie illimitée, ça peut être stylé. Ça peut être stylé. Ça peut être mieux que. Que Call of Duty. Ok. Ah bah là, ça manque. Attendez, c'est un mec. Waouh, mais. Il y a un mec, il est possédé, cousin. Ah, mais il avait pas de bras! C'est pour ça qu'il courait comme ça! Ouais, Vic! Frérot! Si on meurt, je veux que vous sachiez que. Attends, t'inquiète, personne va mourir là-dedans. Hop, ça dégage. Voilà, personne va mourir, t'inquiète, cocotte. Voilà, on peut reprendre le Krark, évidemment. Oh, c'est beau ça. Par contre, survivre 4 minutes, ça va être genre méga chaud. Hein. Avec Vic et Brad, ça va être. Non! J'ai très peur. Ça va être genre méga chaud, les mecs. Hein. Là, je sais pas ce que vous me demandez. Faut ouvrir derrière. Faut ouvrir derrière. Ouais, faut continuer. Faut y aller. Faut y aller, parce qu'au bout d'un moment, moi, j'ai beaucoup de vie, toi, on est large. Ah oui. Et le pistolet fait rien du tout. Ok, bah on y va à l'ancienne. Il faut ouvrir. Faut ouvrir les frérots, s'il vous plaît. Faut ouvrir. Hop, c'est quoi mon coup spécial? Ah oui, c'est vrai que c'est le tourné. Aïe, 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 non. Vic. Vic, soigne-toi, ma soeur. Soigne-toi, sinon t'es pas yimbe. Oh, on va pas finir, oh là là. Ah, ça va pas être évident. En tout cas, c'est beau, hein, c'est de la charcuterie, on se régale. On se régale, mais là, faut ouvrir. Hop, allez, coup spécial, s'il vous plaît. Tournez, voilà. Pour Fufu, petite dédicace, dernier épisode. Enfin, normalement, dernier épisode, en tout cas. Vic, qui prend toujours aussi cher. Eh, est-ce que par hasard, on va pas se mettre des petits points de compétence, là? Est-ce qu'on va pas se mettre des petits points de compétence, genre ça? Beaucoup plus de vie, encore une fois. C'est bon ou c'est pas bon? Hop, on augmente et on augmente encore. Tiens. Les gars, je suis tellement... je suis bon partout, entre guillemets. Pff, ouais, tiens. Voilà, on s'est tout mis? Voilà, on s'est tout mis, il nous reste 0 points, allez go. On y va, Vic, par contre, fais attention à toi, ma soeur. Ok, c'est bon, c'est ouvert. Ah d'accord, Vic est rassemble, ouais, s'en bat les couilles. J'ai 65 000 $. Je me suis même pas acheté... Putain, on va finir le jeu sans la moustache, c'est terrible. Je savais pas qu'en mettant les lunettes, on avait plus la moustache. Triste vie. Les gars, y a pas des petits combos, des petits trucs, oh, de baseball, c'est pas ouf. Je sais comment ce film se termine. Y'a rien là. Pistolet à clous, je prends. Si on trouve du feu. Il me faut du feu maintenant. Du feu, les frérots. Mes copains, mes cousins. Du feu. Hop, je prends un extincteur. Ok, bon. On va prendre le tir scindant, parce que de toute façon, le reste ne sert à rien. Ah merde, je viens de me rendre compte que j'ai quasi pas de... Ah ça c'est dur. Ok, bougez pas les gars, bougez pas, je vais essayer de voir là-dedans s'il n'y a pas des trucs ouf. Et pour le moment, c'est pas gagné. Ok, bougez pas, faut ouvrir, peut-être des trucs stylés, non, hop. Yo les gars! Ah ça c'est chiant! Ah ça c'est chiant! On va s'en tirer, mec! J'ai vraiment pas envie de mourir! Ok! Hop, on va ouvrir! Oh putain, c'est des zombies! Mais non! En plus, on les voyait! Ah! Ok, les mecs! On se calme! Oh putain, en plus, ils sont vénères! Eux, ils sont beaucoup plus vénères que la normale! Il y a des moyennes! Eux, ils sont bien au-dessus! Oh putain, mais sérieux, je sais pas si on va survivre. Oh, 1 minute 20, on est méga large.
Qui a eu peur? Allez, ça dégage. Tout ça là, les gars. Voilà, hop, ça dégage. Voilà. Je sais, j'en ai tué beaucoup. J'en ai tué beaucoup, peut-être. Oh, une cloche de Noël. Je vais peut-être faire un petit coup de sympatoche là. Est-ce que par hasard, je peux pas me faire un petit plaisir pendant que je parle? Il reste une minute, survivez le mec, je connais pas, c'est pas le même. Hein. Oh! Désolé, toi, je t'ai monté en l'air. Ah bah, fallait qu'on termine l'épisode avec un montage en l'air. Les gars, si c'est... Oh, mais non, Brad! Les gars, touchez pas Brad! C'est le frérot, c'est mon copain, mon cousin! Les gars, si c'est vraiment le dernier épisode, je tiens à vous dire que je vous aime. N'oubliez pas... Eh, un petit like. Eh, les gars, on vise le petit top tendance quand même le dernier épisode? Non, j'y crois pas, non. En vrai, le top tendance, c'est pas possible. Je vais pas faire le requin à dire que c'est pas possible pour que vous essayiez. Mais honnêtement, j'y crois pas. Deux minutes. Brad en train de se faire enculer. Ça, par contre, j'y crois. J'y crois même pas mal. Attends. Attends, faut partir. Faut mourir, monsieur. Brad, non! Brad! Non! Brad! Putain, soin de... Brad! Quoi? Non! Oh non, si je recommence tout, je mets fin à mes jours inopinément. Non, Brad, il était tranquillement en train de déverrouiller la serrure, on lui a rien demandé, le gars. Les gars, vous avez tué Brad alors qu'il... Oh là là, et il continuait, même dans la mort, il continue à essayer de déverrouiller cette serrure. C'est terrible, les amis. Quoi? Ok, les gars, on se retrouve à la fin, un plaisir. Allez, à tout à l'heure. Ok les mecs, nous revoici au célèbre moment, hein, le moment où on a perdu malheureusement Brad. Alors au final c'était pas très difficile, c'est juste que je prenais trop mon temps. Regardez là, ils sont full life, il me reste de toutes les armes, j'ai rien fait de spécial. Je me suis juste mis à avancer au bon moment et puis aucun putain de problème. Je vous rassure, j'ai pas changé la difficulté ou autre, pour ceux qui craindraient d'ailleurs, je sais même pas si on peut en plein milieu de la game. Mais enfin bon, pour l'instant tout se passe bien, quoique au final on parle, mais c'est vrai que la santé de Brad était partie très très vite à partir de ce moment là je crois. Donc attention, parce que là c'est des néos, hein. Enfin c'est les zombies de nuit, ils ont les yeux rouges, ils sont pas contents. Ils sont là, on n'est pas tout seul, on n'est pas contents. Voilà, donc on va tout écouter très rapidement. Il me reste 40 secondes, c'est pas déconner. On va garder 50 balles quand même pour refaire un petit assaut comme on vient de faire. Mais là vous voyez, aucun putain de souci. Ça fait plaisir. Il reste 30 secondes. Mais alors 30 secondes avant quoi? Est-ce qu'on va vraiment réussir à partir à temps? Est-ce que c'est pas... Bon, moi je pense que c'est la fin cette fois-ci, hein. Il n'y a pas de fausse fin les gars. Mais je pense que c'est clairement la fin. À voir. En tout cas, Dead Rising 1 sur ça a été très surprenant. Parce que quand tu pensais avoir terminé, croyez-moi que c'était vraiment très dur. Hein. Quand tu pensais avoir terminé, bah, il s'avère que en fait, l'hélico a crashé, tu te retrouves contaminé et t'avais 24 heures supplémentaires. Parce que là-bas, c'était chronométré Dead Rising 1. C'était le côté très très chiant. Pour débloquer le mode bac à ça, fallait terminer le jeu. Et t'avais 24 heures dans le jeu, évidemment. 24 heures, c'est équivalent à une heure ou deux heures, je crois. Pour trouver la solution, sinon t'avais la pire fin ever, et c'était pas évident.
si ça tenait qu'à Frank, c'est là que l'histoire s'arrêterait. Il mourrait en héros, en se sacrifiant pour le bien de ses amis. Vous n'auriez pas besoin de connaître la suite, de voir l'horreur survenue les mois suivants. Mais Frank n'est pas là pour réinventer l'histoire et l'agrémenter à sa sauce comme il sait si bien le faire. En écoutant ses notes, je me demande comment cette histoire se serait déroulée avec plus de recul. Aurait-il vaincu Fontana en combat singulier? Refusé de comploter avec le méchant docteur Blackburn? Et pour finir, une romance avec l'ingénieur de la ville? Son second livre se serait sûrement vendu aussi bien que le premier. Mais Frank n'est pas là pour relater les faits. Il va donc devoir s'en remettre à moi. Même s'il aurait peut-être été contre. Et je l'affirme. La vérité dépasse la fiction. Affaire numéro 6, résolue. 8h31. Nouveau niveau atteint. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on est mort? Est-ce qu'on a survécu et on va continuer des affaires une ou deux avec lui? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. En tout cas, sa mort, je m'y attendais clairement pas, pour être honnête avec vous. Si vraiment il est mort et que c'est la fin... Si vraiment il est mort et que c'est la fin de Dead Rising 4, je pense que Dead Rising 5, le boss sera Frank, étant donné qu'il s'est fait quand même bien enculer quand il est tombé de l'hélico. Mode histoire, 59%. D'accord, c'est parce que j'ai pas tous les talents, j'ai pas tous les plans et tout. L'exosquelette 0 et les lingots d'or sont maintenant disponibles. Je crois que c'est la fin du jeu, les amis. Je crois que c'est la fin du jeu, parce que c'est la première fois qu'on a autant de trucs chelous qui apparaissent. À voir. J'étais blogueur, maintenant je suis reporter. On va voir les gars, on va faire continuer, mais je pense que c'est la fin du jeu. Et c'est la fin du jeu, voilà. Donc, je m'y attendais clairement pas. Alors après, il y a peut-être un mode supplémentaire. On va voir ça tout de suite à la fin du générique. En tout cas, j'ai bien aimé cette expérience Dead Rising 4. Très triste que ce soit du solo et non du coop. Maintenant, je vais essayer de me pencher sur les modes coop, bien évidemment avec mon cher Fufu, et essayer de voir si je peux vous fournir des vidéos très sympas qui agrémentent un peu plus l'histoire. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est sur un petit record. Parce que sans même me bousculer ou vous proposer des épisodes d'une heure ou deux, on a terminé le jeu en 13 épisodes, donc soyons honnêtes, c'est très très court, surtout pour un Dead Rising. Mais c'est vrai que Dead Rising, ils ont tendance à prendre des longueurs un peu pour rien. Là, il y a eu peu de cinématiques, hein, mais il y en a eu quand même, et des cinématiques assez agréables et assez drôles. Frank, un peu lourdingue pardon, par moments, mais drôle aussi par d'autres moments, donc c'est excusé. Et est-il vraiment mort ? Écoutez, je pense qu'on le saura dans Dead Rising 5. Pour moi, ça sera sûrement un boss de Dead Rising 5. Ou alors on réincarnera toujours à Willamette dans la merde. La ville est, me semble-t-il, un petit peu plus grande et beaucoup plus explorable, parce qu'on pourrait rentrer quasi partout, que Dead Rising 3. Mais si je devais classer mes Dead Rising des préférés au plus nul, je dirais Dead Rising 1, Dead Rising 3, Dead Rising 4 et Dead Rising 2. Alors quand je dis le plus nul, ça veut pas dire qu'il était nul, mais ça veut dire que c'était celui que j'ai le moins apprécié. Dead Rising 2, ça reste celui que j'ai le moins apprécié. Bah parce que c'était les débuts du online, entre guillemets, et pour jouer coop, c'était très sympa, hein, c'était avec Eddie Diep, mais pour jouer coop, fallait qu'on soit dans la même zone, il pouvait pas quitter la zone sans moi, etc. Fallait qu'on soit toujours collé à 1 mètre, 2 mètres. Alors que là... Voilà, le 4 je le mets avant quand même parce qu'ils ont remis un petit point d'honneur sur l'histoire. Ça fait plaisir, ils ont remis un petit point d'honneur aussi sur Frank West. Ça fait plaisir de retrouver le frérot. Et puis voilà, bon après le 3 les gars, le 3 c'est la légende. Allez, honnêtement, pour être 600% honnête avec vous, je pense que Dead Rising 3 je le mets au niveau du 1. Juste en termes de fun et de plaisir de jeu. Parce qu'avec Fufu c'était juste démentiel, j'ai kiffé de ouf. Le 4 il survient juste après, parce que j'ai bien kiffé aussi. Et puis après bah, c'est le 2. Mais le 2 collé, attention, il est pas loin derrière. On va voir si on a des modes supplémentaires. En tout cas, c'est tout pour l'histoire principale. C'est terminé. Succès déverrouillé, les yeux sur l'objectif. Donc, on a réussi à terminer le jeu en 13 épisodes. Et je vous promets que j'ai pas été très rapide. J'ai pas boosté volontairement. J'aurais préféré, si c'était que moi, que ça me tienne un petit peu plus longtemps jusqu'à ce célèbre Resident Evil 7. Donc je vais voir ce que je vais vous produire en attendant comme contenu. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.